Rambam, chapitre 9 des Yesodéa Torah, des fondements de la Torah. On continue sur le thème de la prophétie et on va voir dans ce chapitre qu'est-ce qui permet de distinguer un vrai prophète d'un faux prophète. Alors, Aleph. Davar Barour ou Meforash Batorah, Shei Mitzvah Tomedet Leolam ou Lealme Olemim. Il y a une chose qui est claire dans la Torah, c'est que c'est une loi qui est fondamentale et qui est éternelle. La loi de la Torah ne traverse toutes les époques, elle traverse tous les temps, elle n'est pas soumise au changement. Bien sûr, il y a des halakhot qui vont pouvoir apparaître au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans le monde. On voit aujourd'hui avec les grands progrès technologiques qui sont là depuis quelques temps, et même depuis avant, où effectivement ça demande des réponses de la halakha, par exemple. Lorsqu'on a commencé à maîtriser l'électricité, alors ça s'est posé la question de est-ce que l'électricité, on pouvait l'utiliser Shabbat, comment on pouvait la faire fonctionner, etc. Donc ce sont des questions nouvelles qui surgissent, mais les réponses, elles viennent des fondements de la Torah qui, elles, ne changent pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de l'enseignement de la Torah et de la tradition de la Torah qu'on va pouvoir répondre aux nouvelles questions. Donc la Torah, elle est immuable dans son essence. Elle a. Lo shinui velo giraon velo tosefet. En fait, elle change pas, elle a ni d'ajout ni de retranchement. Shenema et kol adavar asher anochim et tsave etrem oto tishmo. Toute la chose, toute la parole que je t'ordonne, eh bien, tu vas la garder. Vous allez la garder, c'est-à-dire la sot lo tosefala. Il faut ni rajouter velo tigram imeno, ni ajouter ni enlever. On a vu que c'était des mitzvot de Baal Tosif et Baal Tigra. Venema, vaniglot lanu vanenu. Comme c'est marqué, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, adolam pour l'éternité. La sot et kol davar Torah azot, et kol divra Torah azot, pour faire toutes les paroles de ce qui est écrit dans cette Torah. Ala matash et kol divra Torah. Metsuvim anu la sotan adolam. Donc, on a ordonné par ce verset de faire les mitzvot de la Torah pour toujours. Vechen omer, chukat olam. Il y a un autre verset aussi qui dit que c'est une loi ou un statut éternel pour vos générations. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été donné dans le passé simplement à l'époque de l'Antiquité pour une civilisation disparue. C'est quelque chose qui est éternel et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Venema. On dit aussi qu'elle n'est pas dans le ciel, donc on peut pas. Elle a été donnée sur terre, on ne peut pas trouver une nouvelle Torah maintenant qu'on va chercher dans le ciel. Même si, encore une fois, il peut y avoir des chidouchim, mais des choses qui sont des nouvelles explications et des nouvelles mises en lumière de cette Torah. Mais en tout cas, il n'y a pas une nouvelle Torah qui peut venir. Et de là, on voit aussi que. Un prophète ne peut pas innover une loi. De tous ces versets, ça vient nous dire que quelqu'un ne peut pas venir et dire, voilà, je vais vous rajouter une 614e loi, ou je vais en enlever une qui est désuète, qui est obsolète. Lefichar, imyaamod ish ben misraël, ben minaumot, yasu otomofet. Alors s'il y a quelqu'un qui vient, que ce soit un juif ou un non-juif, qui commence à faire des miracles, qui commence à faire des signes, veomer shachem shalchou leosif mitzvah, et qui vient et qui dit, je suis venu parce que Dieu m'a dit de vous ordonner une nouvelle mitzvah. Oligroa mitzvah, ou d'enlever une mitzvah. Olifroch mi mitzvah, mina mitzvot, pirou, shelo, shamanu mi moshe. Ou bien d'enlever une partie dans une mitzvah, quelque chose qui n'aurait pas été ordonné par Moshe. Ou mitzvot, ou bien de dire que ces mitzvot. Elles ne sont pas pour toutes les générations, elles sont pour le passé, mais plus pour maintenant. Et la mitzvot, les fils man, ayu, arezé, navi, sheker. Donc c'est un navi, sheker. C'est pour ça d'ailleurs que les sages juifs n'ont pas accepté le christianisme. Parce que c'était une prophétie qui venait changer la Torah, qui a dit tous ces arguments, qui est venu retrancher des mitzvot, on n'a plus besoin de faire telle ou telle mitzvot, qui est venu dire aussi que c'était une Torah du passé. Ça, on ne l'a pas accepté parce que ça ne correspond pas au message même. On l'a cité plusieurs versets, au message même de la Torah qui définit que la Torah est éternelle et qu'elle ne change pas. Donc, à partir de ce moment-là,
Si un prophète vient dire ça, il parle au nom de Dieu, c'est pas possible, ça devient un avis shekel. Shereba le achish nevoat shel Moshe, parce que c'est une névoie qui contredit celle de Moshe. Ou mitato bechenek, la condamnation normalement, elle est passible de mort par strangulation. Un faux prophète. Al she izid le daver bechem Hashem, asher lo tzivao, parce que volontairement, cette personne aura parlé au nom de Dieu alors que Dieu lui a pas demandé. Parce qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe, il a dit cette Torah, elle sera là pour nous et pour nos enfants, pour vous et vos enfants, Adolam, pour l'éternité. Donc on ne peut plus venir contredire ça. Velo ish el veyichazev. Alors c'est pas. Un homme, c'est pas un dieu maintenant pour vouloir contredire ça. Si c'est un prophète, ça reste quand même un homme. Il ne peut pas venir dire, oui, ce que Moshe a dit, ce que Dieu a dit, je le remets en question. Bet, Imken, Lama Nehemar Batora Navi Akum, Akim Lahem, Mikirev Acheyem, Lo La Sod Dat Uba, Ela Letzavot Aldevar Torah. Pourquoi est-il écrit que je vais susciter un prophète en ton sein parmi toi? Est-ce qu'on a besoin d'autres prophètes? Après tout, si on a reçu la Torah, ça devrait s'arrêter là. Il aurait dû y avoir qu'une seule prophétie, pourquoi encore après tous les livres des prophètes, et en plus des Chachamim qui sont venus. Alors, en réalité, ce prophète, il ne vient pas à la sodate, il ne vient pas pour faire une religion. Et là, les tzavot à livrer Torah. Il vient en réalité, et c'est ça ce que sont venus faire tous les prophètes, ils sont venus nous dire, hé, les amis, respectez la Torah. Renforcez-vous dans la pratique, arrêtez de faire des interdits. C'est-à-dire qu'en fait, les Névim sont venus être mechazek, sont venus renforcer la Torah. Ou les Azir Aham, Shelo Yavor Aleya, qui Moshe Nehemar, Haron, Shebaem, Zichu Torah Moshe, Avdi. Donc, effectivement, même la dernière prophétie, qui est celle de Malachi, il est venu et il a dit, souvenez-vous de la Torah Moshe, mon serviteur. C'est Dieu qui parle, évidemment, à travers le prophète, et qui dit, qui envoie comme message, n'oubliez pas ma Torah. C'est le dernier message prophétique qui est envoyé, mais en réalité, si on regarde toutes les autres prophéties avant, c'est toujours pour sortir le peuple, ou même le monde, ou une ville en particulier, de la Vodazara, ou de l'interdit, et pour renforcer dans le pratique Mevizot. C'est ça le vrai message des prophètes. Vechen im itzivanu, mais du vrai Reshut. Même s'il nous ordonne quelque chose qui est facultatif. Kegon, lechou le makom pulni, o al telechou, asou milchama ayom, o al taasou, banu chomot, o al tivnu, mizwa lishmoalou. Alors, un prophète, il peut nous ordonner aussi des choses qui sont facultatives, mais qui ne contredisent pas la Torah. L'important, c'est que ça ne contredise pas la Torah. Par exemple, il peut nous dire, allez en guerre là-bas, ou construisez telle muraille, ou faites telle ou telle chose. Si quelqu'un ne veut pas obéir de ce prophète, il est ce qu'on appelle Chayav Mita Bideshamaim, c'est-à-dire il est passible de mort du ciel. On ne peut pas le condamner parce qu'il n'a pas fait quelque chose de spécifique, mais le fait qu'il n'a pas voulu l'écouter, c'est déjà quelque chose qui le rend Chayav d'en haut. Comme le verset nous dit, déjà à la fin du Chumash, il nous dit que cet homme-là qui ne voudra pas écouter mes paroles, Asher Yidaber Bishmi Anochi Edrosh Mimo, qui ne voudra pas écouter celui que j'ai envoyé en fait pour transmettre ma parole, eh bien je lui demanderai des comptes. Donc Akadosh Baruch Hu, il a prévenu dans Chat Shoftim. Il a prévu ce qui se passe si on n'écoute pas les Névim. Donc les Névim, on doit les écouter, soit parce qu'ils renforcent la Torah, soit parce qu'ils nous ordonnent, c'est un message qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet, faire telle ou telle chose. Gimel. Vechen avi she'avar al divrei atzmo. Même un prophète qui lui-même a dit quelque chose et qui ne le fait pas, qui se contredit lui-même, c'est-à-dire qui dit quelque chose sans lui-même le faire. Eh bien, vers Kovesh Nevoato, Chayev Mita Abide Shemaim.
S'il va contredire, il va contre sa propre prophétie. Il rêve mita d'en haut. Au Neymar, Anochi et Drosh Meimo. Dans tous les cas, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit un prophète qui contredit ou qui enfreint sa propre parole, eh bien, et dans tous les cas, ça s'appelle Drosh Meimo, c'est-à-dire Kadosh Baroukh dit, je lui demanderai des comptes, c'est-à-dire que je vais. Il peut être rêve mita bidé shamayim. Vechen im. Yomar lanu un navi chez Noda lanu chez Unavi. Autre cas, si c'est un prophète qui vient et qui nous dit, nous on sait qu'il est prophète, hein, puisque c'est déjà un navi, et qu'il vient et il nous dit, la vor alachat mikol mitzvot ha'amurot b'Torah ou al mitzvot harbe. S'il nous dit de transgresser une mitzvah ou éventuellement même de nombreuses mitzvot, Ben Kalot, Ben Chamorot, que ce soit des mitzvot qui paraissent plus légères ou d'autres qui paraissent plus importantes. Les fichas, alors si c'est les fichas, c'est-à-dire de manière tout à fait momentanée, sans que ce soit pour toujours, ce qu'on appelle Horatcha aussi, alors mitzvah lishmoalo, dans ce cas-là, c'est une mitzvah d'écouter. C'est-à-dire que dans un cas exceptionnel où le Navi nous dit, on va pas changer la Torah, mais pour cette fois, il y a quelque chose de spécial qu'il faut faire, même si ça a l'air de contredire la Torah. Dans ce cas, la précision, il faudra l'écouter. Donc les Chachamim m'ont appris qu'effectivement, dans ces cas-là, il faut l'écouter. Et c'est comme l'histoire de Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel. Où vous savez qu'il a fait une confrontation avec, à l'époque, il y avait une grande Avodazara, qui était l'Avodazara du Baal, qui était très répandue dans toute la région. Et il y avait beaucoup de Bnei Israël qui étaient tombés dans ce culte. Et donc, il a fait une confrontation avec les prêtres du Baal. Ils sont allés en haut du mont Carmel. Ils ont construit deux autels. Il y avait un autel pour Dieu et un autel pour le Baal. Et puis, celui sur lequel le feu devait descendre, c'était lui le vrai Dieu. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu un grand Kiddush Hashem, tout le monde a dit Hashem ou Elohim, c'est Hashem qui est le vrai Dieu. Les prêtres du Baal eux-mêmes, ils étaient des confis, ils ont fini par s'entretuer eux-mêmes entre eux. Bref, ça a été une grande sanctification du nom d'Hashem et c'était quelque chose d'extraordinaire. Cependant, ça contredisait un interdit de la Torah. Parce que la Torah interdit de faire des autels hors du Beth Amikdash. Mais Eliyahu HaNavi a reçu ça du ciel et il a dit. Que de manière temporaire et exceptionnelle, on va faire un autel en dehors de Yerushalayim, on va aller le faire à Haïfa, sur le Har Carmel, mais ça ne veut pas dire qu'on a enlevé cet interdit. Cet interdit, il a été repoussé pour un moment, ou on l'a permis pour un moment, mais après ça, ça revient. C'était exceptionnel. Ce qu'on appelle les fichas. Normalement, il aurait dû être Khayav Karet d'avoir fait ça. Mais comme on savait, alors pourquoi on l'a pu l'écouter? Parce que d'abord, premièrement, on savait que c'était un avis reconnu, c'était pas n'importe qui, c'était Eliyahu HaNavi qui était déjà très connu. Mitzvah lishmoalo, c'est une mitzvah de l'écouter. Vegam bazenema elav tishmeu. Et c'est marqué aussi, c'est lui que tu dois écouter. Veilu, shalou, et Eliyahu vamroulo. Mais si ils avaient demandé. Aliyahu, il lui avait dit, Nakor ma shekatuv batora, pentaleo latecha, bechol makom asher tirae, ayomer lo, ela shemakriv, bachus, leolam, chayav karet, ke moshe tziva moshe, avalani ayom, ikriv bachus, bedavar Hashem, kede leachish. En réalité, ils ont dû sûrement poser la question à Aliyahu Hanavi, et il a dit, non, je sais que c'est interdit. Et on ne va pas le refaire, mais c'est exceptionnel ici. Il y a quelque chose à faire. C'est un Kiddush Hashem qu'on doit faire. Et c'est un Kaddush Baruch Hu qui me l'a ordonné. Parce qu'il fallait contester et annuler la force de la Avodah Zarah des prophètes du Baal. Voilà derrière Azot. Imtsivu kol hanevim la'avor les fichas, mitzvah lishmoalem. À l'instar de Eliyahu HaNavi, si n'importe quel prophète connu demande aussi de manière exceptionnelle de transgresser une des mitzvot de la Torah, il faudra l'écouter. Mais si il dit que c'est pour toujours, non, et cette mitzvah c'est fini, on est au temps moderne maintenant, c'est
terminé, il n'y a plus besoin, de faire telle ou telle mitzvah. Alors, Neikar Leolam Mitatan Bechenek, Sha Torah Amram Lanu Venenu Adolam. Parce que là, encore une fois, la Torah a dit, a été donnée pour nous et pour nos fils, pour l'éternité, donc on ne peut plus la changer. La Chadaet, Vechen, Im Akar Davar Midvarim She Lamden, She Lamadnu Mipi Hashmua. Même chose aussi, si il veut enlever quelque chose qu'on a entendu par tradition orale. On avait dit dans le début du Yesod HaTorah que la Torah, elle s'était transmise de manière écrite, mais aussi de manière orale. L'essentiel était oral. Donc s'il y a une mitzvah qui a été transmise oralement et qu'un prophète vient et veut l'enlever, eh bien aussi, on ne pourra pas l'écouter. Encore une fois, sauf si c'est Beoratcha, si c'est pour les fichas, c'est-à-dire pour un moment très spécifique, mais sinon, théoriquement, on n'a pas le droit d'écouter. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette halakha. Oshamar bedin midina Torah, chez Hashem Sivalo, chez Adim, kar vekar, ve halakha qui est livré pluni, reze navi sheker. S'il vient et qu'il contredit une halakha, c'est un navi sheker. Ve chanek api, chez Asaot, chez Ave, ba le achish Torah, chez Neymar, lo bashamaim i. Encore une fois, c'est marqué les pas de Bachamaïm, donc tu ne peux pas dire que tout d'un coup tu as reçu une nouvelle Torah. Avant les ficha, shaminlo, bakom, mais comme on vient de dire, si c'est de manière exceptionnelle, eh bien à ce moment-là on l'écoute dans tout ce qu'il dit, quelle que soit la chose. Et, bamet varim amourim, précision sur ce qu'on vient de dire, bechar mitzvot, on parle de toutes les mitzvot, mais il y a une exception, aval beavodazara, en shaminlo, si c'est avodazara, même si c'est un grand prophète, même si c'est Oracha, on ne peut pas l'écouter. Si Eliyahu HaNavin vous avait dit, de manière exceptionnelle, vous allez faire tel ou tel avoda, par exemple, du Baal, alors qu'il voulait le contredire, eh bien, on n'aurait pas eu le droit d'écouter, même si c'était, il nous avait dit, c'est juste pour une fois. Ve'afilu leficha, ve'afilu asa otot moftim dolim. D'ailleurs, même si c'est un très grand prophète qui fait de très grands miracles, on ne devrait pas l'écouter. Parce qu'il demande de faire Avodah Zarah. Avodah Zarah, même de manière exceptionnelle, c'est impossible. Ça contredit trop la Torah. C'est trop dans l'essence de la Torah que ce n'est pas possible. Ve'ama, she'ashem tzivahu she'ta'avor Avodah Zarah ayam bilvan, o be'sha'azu bilvan, arezé d'avoir Sarah al-Hashem. C'est quelque chose qui est totalement contre Hashem. Donc on ne peut pas. Ve'alze tzivah akatouf ve'ama, ou ba'ot ve'amofet lo tishma'o. Donc s'il vient avec des miracles et des signes, ne l'écoutez pas, parce que c'est quelque chose qui s'oppose totalement à Hachem, qui d'abord sera à Hachem et le Kéré. C'est quelque chose qui est une révolte contre Hachem. Dès que tu fais Avodah Zarah, ça ne peut pas être pour Hachem, ça ne peut pas être. Dans l'essence, c'est le contraire d'Hachem. C'est intéressant encore une fois de voir que tout le service d'Hachem, c'est la contradiction même de l'Avodah Zarah. Ça rejoint un peu ce qu'on avait vu au début, c'est-à-dire que les deux premiers des dix commandements qui sont « Je suis éternel ton Dieu » et « Tu ne feras pas Avodah Zarah », si on veut le dire comme ça, eh bien, en fait, ce sont les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que d'un côté, servir Dieu, c'est ne pas faire Avodah Zarah. Et lorsqu'on se détache de toutes les formes d'Avodah Zarah, de tous les attachements et de toutes les soumissions à autre chose que Dieu, eh bien, c'est là qu'on peut s'attacher réellement à Hachem. « Share, zeba l'erich nevoatot shem boshé, l'efecha » Nada bevadai shivu navi sheker. Et donc, si quelqu'un veut et nous demande même, ne serait-ce qu'une fois, de faire Avodah Zarah, étant donné que c'est quelque chose totalement contraire à la Torah de Moshe, eh bien, on sait que c'est un avi sheker, un prophète mensonger. Ou les firas nabad shivu navi sheker, vechen sheasa belad vekishu fasa vechenek. Et on sait aussi que ce qu'il nous a dit, tous ces miracles-là, du coup, ils ne viennent pas de la force de la Kdusha. Ça ne peut pas être Hachem qui lui a donné cette force de faire ces miracles pour demander face à Avodah Zarah, donc ça vient de la force de la magie de la Sitracha, et donc les frères Frenek finit par strangulation. Et bien, Hachem, on est le Navi Emet, Gilgul de Moshe Rabbeinu qui revient, vous annoncez le Mashiach, Numera Viamenu, Amen.